Il y a un problème ? Mal. Attendre l'échelle de l'enfant rouge, ou je vais mourir ici. Amicia, t'approches un brasier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. Je me sens pas très à l'aise.
arrive encore. Ils veulent vraiment me couper. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Je suis là. On y est presque allé. Merci. Tu mérites une médaille. Allez, viens. Rejoignons les autres à l'intérieur. J'espère qu'ils vont bien. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Est-ce que ça va? Non. C'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais... le château est fait pour résister à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas quoi, une simple alors invasion. Par ici! Vite! Et fais ce que tu dois faire. Hugo... viens. Hugo... c'était Lily, lui. Qu'est-ce que tu fous avec cette porte? C'était bien lui. Elle va pas souffrir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Les rats. Les contrôles. Voilà. Avec l'Immaculée. On va sortir. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non, il est foutu, ton château. Les rats passent les défenses comme dans du beurre. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux... Paul, on doit se tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez. Non. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Hugo, non! Allez, gamin! Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe sur ce satané seuil! Ne l'écoute pas, Hugo! Assez! Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure! Ordure! Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était! Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Arthur, maintenant! On l'a eu, ce sale chien! Amicia! Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo? Hugo! Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo! Regarde! D'accord, d'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens! Tu m'as menti! Non! Non! Hugo! J'essayais de te protéger, je t'en supplie.
Tu l'as fait. Amicia, tu es passée. Ne servez plus à rien. Votre père ne s'est pas caché, lui. Il est mort en me regardant dans les yeux. Hugo, il ne doit pas nous voir. On doit partir enfin, d'ici, Amicia. Ma lame est encore chaude. Ils sont là, mais ils où sont... Où es-tu passé, alors, hein? On va l'éteindre. On a besoin d'eux. Ne pourra pas te sauver, petit. Arrière. Est-ce que vous ne pouvez pas aller en enfer ?
C'est l'enfer qui viendra à vous. Il les a tous eus. Je vais brûler leur putain de bannière! Lily, t'as aucune chance! Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève, les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien!